Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 11 juin et nous fêtons Saint Barnabé. Saint Barnabé est qualifié du nom d'apôtre, quoiqu'il ne fût pas du nombre des 12 que Jésus avait choisi. On lui a donné ce titre glorieux parce que le Saint-Esprit l'avait appelé d'une manière toute spéciale et qu'il eut une grande part de concert avec les apôtres dans l'établissement du christianisme. Il était juif, de la tribu de Lévi, et natif de l'île de Chypre. Son nom de Joseph lui fut changé par les apôtres contre celui de Barnabé, qui signifie fils de consolation. Il avait été ami d'enfance de saint Paul, et c'est lui qui, après l'étonnante conversion de cet apôtre, le présenta à Pierre, le chef de l'Église. La première mission de Barnabé fut d'aller diriger l'église d'Antioche, où la foi prenait de grands accroissements. Il vit tant de bien à faire qu'il appela Paul à son secours, et les efforts des deux apôtres réunis opérèrent des merveilles. Sur l'inspiration de l'Esprit Saint, le prince des apôtres leur donna l'onction épiscopale, et ils s'élancent au souffle d'en haut vers les peuples gentils pour les convertir. Salamine, Lystre, la Lycaonie et d'autres pays encore entendent leurs paroles éloquentes, sont témoins de leurs miracles, et, sous leurs pas, la foi se répand avec une rapidité prodigieuse. Paul et Barnabé se séparèrent ensuite pour donner plus d'extension à leur ministère. L'île de Chypre, d'où il est originaire, était particulièrement cher à Barnabé. C'est là qu'il devait sceller de son sang la foi qu'il avait prêchée. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos!